Oh là là. Oh non. Qu'est-ce qui se passe encore? Hello les amis, qu'est-ce que ça fait du bien aujourd'hui de revenir à mes amours, à revenir à filmer. Ça fait genre super longtemps que j'ai pas filmé vidéo comme ça, en mode face cam, face crash test. Oui, j'ai déjà un petit peu triché, oui, j'ai commencé sans vous, mais bon, vous m'en voudrez pas. Du coup, je reviens là jusqu'au mois de septembre à une vidéo par semaine, tous les dimanches, vers 15h. 15h30, 16h, voilà, bref. Désolée de mon absence et d'être venue un petit peu comme ça, paf paf paf, et d'être repartie à chaque fois. Mais en ce moment, ma vie, c'est un petit peu le chaos et du coup, c'est très compliqué pour moi de filmer, mais je ne vous oublie pas. Et je reviens dans pas très longtemps avec des recettes comme d'habitude, des crash tests. Bah, on va commencer tout de suite. Donc vous aurez compris l'esprit de cette vidéo, on va tester des moyens de faire des boucles sans chaleur. On commence cette vidéo avec des petits zigouigouis comme ça, des espèces de curl formers mais sur eux-mêmes. Et de l'autre côté on va tester ça, d'ailleurs là, comme ça. On va tester ce genre de petits trucs là pour faire des vaguelettes sur les cheveux. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Les cheveux je les ai préparés, juste humidifiés et j'ai fait une petite lock méthode très rapide. Voilà. Avec un peu de beurre de karité. Déjà, première remarque, moi j'ai acheté un pack sur Wish avec des petits trucs comme ça là, mais en fait je savais pas qu'il y avait différentes tailles dedans, donc des tout petits comme ça qui ne me serviront à rien, et des encore plus petits comme ceux-là, hop, qui ne me serviront pas non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par l'avant de la tête, je vais essayer pour tester. Normalement c'est des moyens de faire des boucles sans chaleur, mais je vous avoue que moi pour aller un peu plus vite, et vu que je vais pas faire toute ma tête, je vais utiliser ses cheveux pour que ça aille un peu plus vite, pour que ça soit boosté. De toute façon je sortirai pas comme ça, ni je tournerai de vidéo. Voilà. Ça se présente comme ça, vous avez une petite tige qui arrive démontée, donc il faut faire un peu de bricolage et la monter, voilà c'est fait. C'est parti. Mes cheveux sont démêlés, mais bon après... Je le fais parfois sans avoir démêlé mes cheveux. Je vais mettre une petite quantité de gel de chez Bubble & Bubble que j'adore. Qui fait briller les cheveux surtout et ça c'est trop bien. Alors comme c'est pas assez long, ça va faire un truc comme... ça va pas commencer dès le début. Bon. Mais pourquoi? Mais dis-moi pourquoi les cheveux ont poussé comme ça là? Personne ne s'en est même pas rendu compte. D'ailleurs, me demandez pas s'il faut mettre le truc dans ce sens-là, comme ça, ou dans ce sens-là. J'ai toujours pas compris. Je vous réexplique les étapes. Petit 1, faire du bricolage. Petit 2, prendre l'ustensile à boucle, aka bigoudi, et venir glisser à l'intérieur le petit crochet, avec le crochet vers le haut. Petit 3, prendre une mèche et venir attraper le haut avec le crochet, crocheter, tirer, et laisser agir. Non, la deuxième partie, c'est avec ces espèces de petites ondulations là en plastique. Bon. J'ai un shoulder de réponse. Il m'en reste un aussi de l'autre côté. Par contre là j'ai pu faire la moitié de ma tête. Après comme vous voyez là j'ai quand même plein d'endroits où en fait il reste plus la moitié qui est dehors. Oh, attends, on va faire un truc, on va faire un petit essai. Vu qu'il m'en reste un, je vais les enchaîner.
Wow, 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 wow. J'ai réussi à faire ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça, j'aurais tout essayé. Bon, j'espère que là, je l'ai laissé sécher assez longtemps. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Oh, c'est marrant cette forme. Mes cheveux ont une forme de vaguelette. Bon, ils sont pas tout à fait secs. On en fait un de chaque côté, puis on voit déjà. Alors, on déroule. Et ben franchement, c'est pas si mal, hein, même avec ça. Mes cheveux sont plutôt bien... Ils sont détendus. Bon, ils sont mouillés encore, clairement. Bon, allez, on y va. Bah franchement, on dirait que je les ai brushingés. Allez, la double. Waouh. Regardez. Oh, je suis contente. Je m'attendais pas à cet effet-là. Ça donne vraiment un effet, genre j'ai fait un brushing et je les ai ondulés. Bon, et l'autre côté. Oh, ça boucle. Là, ça boucle, mais dans l'autre sens. Oh, c'est pas si mal. Ah, un plus petit, c'est beaucoup plus joli. Je sais pas si vous voyez. Là, là, celle-ci. C'est bien plus joli. Dites-moi le style que vous préférez. Alors, on va imaginer que celle-ci n'existe pas, hein, puisqu'elle n'a pas bien fonctionné. Mais si on regarde là, les boucles que j'ai ici, c'est pas si mal. Franchement, je m'attendais à pire. Puis là, je les ai pas laissés très longtemps, à vrai dire, donc voilà, hein, 2 heures, même pas. Ben, c'est pas si mal. Ah, la longue, finalement, elle se défait. Franchement, ça les a bien, bien détendus. Donc, je trouve ça déjà pas mal, en fait. Une bonne technique pour détendre ses cheveux. Et pourquoi pas les boucler. Bon, je pense clairement, ça a pas assez séché. Franchement, je suis pas si déçue que ça, parce que l'effet bouclé, je pense que si je le laisse un peu plus longtemps et que je dors avec ou je laisse toute la journée, cet effet ondulé, je vais vraiment l'apprécier et pouvoir le maîtriser pour faire des coupes après un peu plus travaillées. J'ai tapé dans le micro. Et de ce côté-là, le côté un peu plus bouclé, je pense qu'avec des curl formers complètement ou en... je sais pas, parce que là, c'était vraiment petit. Et là, sur le dessus, vous voyez, ça fait... Enfin, on voit qu'il s'est passé un truc sur le bout, mais pas là, ici. Donc c'est assez embêtant, donc je sais pas trop. Peut-être s'ils étaient plus longs, ça marcherait encore un peu mieux. Mais ça tient bien, j'ai pu bouger un peu avec et tout. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez un numéro 2, si ça vous intéresse, parce que maintenant cette vidéo est bientôt terminée. Mais en attendant le numéro 2, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo avec votre mère, votre grand-mère, votre grande sœur, vos copines. Comme ça, on sera encore plus nombreux sur cette chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !